Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette magnifique ville de Bourges pour ce forum des solutions un peu exceptionnelles, parce qu'il est hors les murs, même si le confinement rend cette notion un peu particulière. Et c'est la première fois qu'un forum des solutions se tient. Il se tient normalement à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et là, nous avons vraiment l'immense chance d'être à Bourges dans ce magnifique palais d'Oron. Le Forum des solutions a été créé lorsque, après l'initiative qui avait été prise en association notamment avec le PUCA et la Cité de l'architecture et du patrimoine, pour les villes réinventons nos cœurs de ville, pour être un espace de dialogue, d'échange, de valoriser les initiatives, les bonnes pratiques et que ça profite bien sûr à l'ensemble de la communauté des acteurs qui souhaitent investir dans ces villes. Il a été progressivement élargi à l'ensemble des villes Action Cœur de Ville et depuis peu à aussi l'ensemble des villes signataires d'une opération de revitalisation du territoire et notamment les petites villes de demain qui signent semaine après semaine, je dirais, leur engagement de se doter d'une ORT. Ce thème forum est aussi assez exceptionnel puisque faire bouger les centres-villes avec le design actif est quelque chose de pleine actualité et qu'il sera, vous allez le voir, de manière plus durable. J'ai le plaisir d'animer ce forum avec Romain Lachance, qui est le directeur de l'engagement au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Il est enfin exceptionnel par les personnalités qui nous honorent de leur présence. Madame la ministre Jacqueline Gourault, chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement et la participation citoyenne, Marc Fesneau. Monsieur le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Tony Estanguet. Monsieur le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. Des parlementaires, les députés François Cormier-Bouligeon et Loïc Kervran. Madame la sénatrice Marie-Pierre Richer. Monsieur le maire de Bourges, qui nous fait l'immense plaisir de nous accueillir dans sa ville, monsieur Yann Gallu. Je salue également la présence, mais j'aurai l'occasion ensuite avec tous les orateurs de les présenter, d'Yves Le Breton, directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est bien sûr auprès duquel le programme Action Cœur de Ville est porté. Juste pour vous indiquer que ce forum est retransmis en direct et bien sûr après revu en replay par beaucoup d'internautes, énormément d'inscrits ce matin, donc nous les en remercions. Vous dire également que nous avons un programme aussi assez exceptionnel par la qualité des intervenants et des thèmes qui seront abordés sur cette question du sport santé en général. Donc je demanderai à l'ensemble des orateurs d'être bien sûr le plus concis et interactif possible puisque nous prendrons, si nous le pouvons, le maximum de questions, en tout cas nous les indiquerons. Pour faciliter aussi la vie de tout le monde, à partir du moment où les personnalités ont été saluées, vous pourrez naturellement vous appuyer sur cette salutation officielle. Enfin, nous essaierons de pouvoir avoir un temps d'échange. Les forums des solutions, enfin, sont une initiative de la direction de programme Action Cœur de Ville, ANCT, avec le PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, dont je salue la directrice Hélène Peskin, la Cité de l'architecture et du patrimoine, donc je salue la présence de Francis Rambert, directeur de la création architecturale à cette même cité, les financeurs du programme, la Caisse des dépôts, Action de logement, l'ANA, et les opérateurs de l'État comme le CEREMA et l'Agence nationale de rénovation urbaine. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Bien sûr, je salue l'ensemble des personnalités présentes, même si, bien sûr, les règles de confinement ne nous ont pas permis d'accueillir plus de monde qui aurait souhaité assister aussi en live, physiquement ici au Palais d'Oron, à cette manifestation. Sans plus attendre, je donne la parole à monsieur le maire de Bourges pour les mots d'accueil qu'il souhaite nous dire. Merci, monsieur le directeur, madame la ministre Jacqueline Gourault, monsieur le ministre, monsieur Tony Estanguet, mesdames et messieurs les élus parlementaires, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir, madame la ministre, chers amis, que Bourges vous accueille aujourd'hui. Quand monsieur le préfet Roland Michel Blaiseau
m'a proposé de porter ma candidature pour vous accueillir il y a quelques semaines. Pour moi, ça a été un honneur. Et je dois vous dire que, nouveau maire de Bourges depuis une dizaine de mois, j'ai découvert de manière très précise et très active le programme Action Cœur de Ville. Et être à l'intersection entre le programme Action Cœur de Ville et Terre de Jeux, porté par Tony Estanguet, dans la démarche qui est une démarche novatrice de design actif, parce que moi, quand j'ai présenté ce projet, plein de gens m'ont dit « Mais c'est quoi le design actif ?» Et donc là, aujourd'hui, vous allez nous présenter concrètement ce que c'est que le design actif. Bien sûr, la ville de Bourges ne pouvait pas ne pas être dans cette dynamique-là. Bourges, vous le savez, est une ville culturelle avec la cathédrale, avec la maison de la culture, avec une vie culturelle très importante. Mais Bourges est aussi une ville extrêmement sportive. Nous avons... en termes de basket féminin, le club phare de France, d'ailleurs, qui va accueillir dans jeudi prochain et samedi prochain une bulle pour ce qu'on appelle le Final Four et la fin de la saison. Et donc, Bourges qui a le Krebs, Bourges qui a de nombreux berruyers qui sont dans des clubs sportifs. On est une des villes de la région Centre-Val-de-Loire qui a le plus de licenciés. Eh bien, c'était logique que nous nous inscrivions dans cette démarche-là. Tout part, bien sûr, de cela. Nous allons développer à partir du centre-ville de Bourges une promenade liée au design actif. Et nous faisons aussi une initiative dont je veux vous parler en quelques mots, qui s'inscrit dans la volonté de Tony Estanguet et de son équipe de porter les Jeux Olympiques à partir de maintenant jusqu'en 2024. Nous organiserons en juillet prochain, du 3 au juillet prochain, les premières Olympiades de quartier. Nous allons diviser Bourges en 8 quartiers et les quartiers vont s'affronter dans une démarche de loisirs pour porter cet esprit olympique. Alors voilà les quelques mots d'introduction que je voulais vous dire. Je remercie l'ensemble des acteurs locaux de se mobiliser. Je vous remercie, vous, d'avoir choisi Bourges pour porter cette démarche-là. Et nous serons très, très heureux, Madame la Ministre, cher Tony Estanguet, de vous accompagner dans cette formidable aventure que nous lançons aujourd'hui officiellement à Bourges. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur le député François Cormier-Bouligeon, qui est député de cette circonscription de Bourges. Vous êtes né à Bourges, Monsieur le député, et depuis février 2018, vous êtes président du groupe d'études sur le sport à l'Assemblée nationale et vous avez aussi, avec la sénatrice Françoise Gatel, remis un rapport au Premier ministre en 2019 sur la pratique sportive tout au long de la vie. Voilà, Monsieur le député, je vous donne la parole. Il faut qu'on vous donne un micro. Voilà, on va vous apporter un micro. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci beaucoup à vous, Madame la ministre. Monsieur le ministre, monsieur le maire, madame, messieurs les élus, monsieur le président de Paris 2024, cher Tony, mesdames, messieurs, chers amis, nous trouvons aujourd'hui pour cette première étape du grand partenariat signé entre l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Paris 2024 autour du design actif. Au fond, tout commence à Bourges et dans le Cher, au cœur de la France. Je veux saluer votre action, madame la ministre, conjuguée à celle de Tony Estanguet, président de Paris 2024. Vous êtes à l'écoute des aspirations des territoires, de leurs émotions, de leurs traditions. Et sachez-le, cela a été rappelé par le maire de Bourges, Yann Gallu, Bourges et le département du Cher sont des territoires sportifs. 71 000 licenciés et près de 1 000 associations sportives. En venant aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de reconnaître cette vivacité, ce dynamisme sportif, de ses licenciés, de ses dirigeants. C'est important de parler des dirigeants bénévoles des associations qui s'engagent au quotidien pour développer le sport et offrir cette pratique à nos jeunes. Et ici à Bourges, ben, évidemment, nous avons les joueuses du Tango Bourges Basket qui sont parmi les meilleures de France et d'Europe. Mais nous avons beaucoup d'athlétisme, de football, de rugby, peut-être bientôt de breakdance, puisque ce sera inscrit aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et nous avons aussi dans le Cher, je le note, du tir à l'arc, parce que je parle du tir à l'arc, parce que Marc Fesneau, évidemment, est un des spécialistes de ce sport, et on me dit qu'il rate assez rarement sa cible. Quant à vous, cher Tony, nous sommes heureux de vous accueillir, parce que vous avez fait partie de la grande et belle équipe de France qui a obtenu les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
qui est une des premières grandes victoires, une victoire collective obtenue par le président Macron. Il s'y était engagé en tant que ministre de l'économie et il a, je dirais, en rugbyman que je suis, transformé l'essai une fois devenu président de la République. À vous deux, vous alimentez et créez cette synergie essentielle entre le sport, le parasport et l'ensemble de nos territoires en développant le label Terre de Jeux, que ce soit dans notre département à Bourges, à Sancerre, à Boulerey, à Aubigny, mais dans bien d'autres communes du Cher et de la région Centre-Val de Loire. Parce que nos Jeux olympiques et paralympiques ne doivent pas être seulement une question d'infrastructures sportives compétitives, ni de victoires de nos athlètes, de nos sportifs de haut niveau, et notamment des athlètes français. Ce doit être aussi l'ambition de donner à chaque Française, à chaque Français, des éléments d'héritage concrets dans leur quotidien. Et cette convention signée avec 222 villes va permettre de développer ce dont nous parlons ce matin autour du design actif, c'est-à-dire mettre le plus de sport possible dans la vie quotidienne des Français. Et je salue l'initiative de la ville de Bourges qui, à travers ce projet, va développer la pratique sportive depuis le cœur de la ville, le cœur historique de la ville, le centre-ville, jusqu'au lac d'Oron, qui a beaucoup d'activités. J'en pratique en famille du footing, du VTT, de l'aviron, de la voile. Et vous allez créer, à travers la Trouée Verte, la rue d'Oron, un espace commun, un trait d'union sportif entre la ville historique et cet espace vert. C'est exactement l'état d'esprit du design actif que nous voulons développer. C'est important parce que la crise sanitaire que nous traversons a montré à quel point l'activité physique et sportive est importante pour nos concitoyens. La sédentarité est terrible parce qu'elle a un coût. Le coût de la sédentarité, c'est 17 milliards d'euros dans notre pays. Or, nous savons que la pratique d'activité physique et sportive, même modérée au quotidien, même en allant au travail, à vélo ou à pied, 20 minutes, 30 minutes, permet d'améliorer l'état de santé de nos concitoyens. Et moi, je veux saluer le calendrier de réouverture annoncé par le président de la République qui offre des perspectives heureuses pour les Français. En tant que président du groupe d'études sport à l'Assemblée nationale, je veux formuler un vœu. Le souhait que nous utilisions le sport, son écosystème, ses associations, ses entreprises, ses start-up comme vecteur de relance de notre pays. Au fond, ce que je suis venu dire ici à Bourges ce matin peut se résumer en quelques phrases. Le sport français aura besoin de l'État et des collectivités territoriales pour se redresser, mais notre nation aura aussi besoin du sport pour se relever de cette crise. J'ai entendu dire que le sport ne serait pas essentiel, contrairement par exemple à la culture. Moi, je dis qu'il ne faut pas opposer les activités les unes aux autres. Il faut mettre en mouvement en rassemblant, et c'est ce que vous faites, monsieur le maire à Bourges, en associant la culture et le sport. Ce que je suis venu dire, et je conclurai par ces mots ce matin à Bourges, c'est que le sport est essentiel. Oui, le sport est bel et bien essentiel. Pour le bien-être des Français, le sport est essentiel. Pour la santé des Français, le sport est essentiel. Pour la cohésion nationale, le sport est essentiel. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 nous permettent de marteler ce message jour après jour. Oui, le sport et ses bienfaits sont essentiels. Ensemble, faisons de la France une nation sportive. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre intervention. Et bien sûr, en tant que président aussi du groupe d'études sur le sport, et c'est effectivement très important. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Tony Estanguet, président du comité d'organisation donc Paris 2024, qu'on ne présente plus. Simplement rappeler que vous êtes originaire d'une autre très belle ville, Action Cœur de Ville, qui est Pau. Vous avez été triple champion d'Europe, du monde et olympique, porte-drapeau français aux Jeux olympiques de Pékin. Et bien sûr, vous avez ensuite porté la candidature de Paris 2024. Et maintenant, vous en êtes le président du comité d'organisation. Tony. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, monsieur le ministre, déjà, merci à tous les deux. Merci beaucoup, chère Jacqueline, de votre soutien depuis
quelques mois, quelques années même, nous travaillons ensemble pour faire rayonner ces jeux sur tout le territoire français. Et comme le disait à l'instant monsieur le député, c'est vrai que nous croyons au rôle du sport dans un nouveau modèle de société. Et c'est vrai que c'est précieux de pouvoir compter sur votre soutien une nouvelle fois aujourd'hui pour ce lancement. Merci à monsieur le maire de nous accueillir. Effectivement, je vois votre dynamisme autour du sport et j'en suis ravi. Félicitations vraiment pour tout ce que vous entreprenez. Je suis ravi effectivement de notre collaboration avec Terre de Jeux 2024 et tous les projets que nous avons ensemble pour que votre territoire soit le plus sportif possible. Mais je vois que vous avez déjà un potentiel très impressionnant. Je voudrais bien évidemment remercier toutes les personnalités présentes et toutes les personnes connectées. Et un salut également appuyé à monsieur Roland Mouchel-Blaisel pour cette organisation aujourd'hui. Merci vraiment de votre soutien. C'est vrai que la coopération, ce partenariat avec Action Cœur de Ville est très important pour Paris 2024. Ça a été dit, je le répète, nous avons une ambition partagée au-delà de la magie de cet événement, c'est de mettre plus de sport dans la vie des Français. On a cette conviction à Paris 2024, c'est que le sport change les vies. Et effectivement, on a bien aussi conscience que c'est un sport collectif qui nous attend et que chacun aura un rôle à jouer. Et je voudrais vraiment remercier encore une fois l'Agence nationale de la cohésion des territoires, parce que c'est vrai que ce programme Action Cœur de Ville, pour nous, il résume assez bien comment on veut réussir à trouver des solutions localement, partout dans le territoire, pour inciter à la pratique physique d'une activité quotidienne. C'est le défi qui nous attend pour réussir à infléchir un petit peu ces courbes de la sédentarité. Alors à Paris 2024, avant de vous parler de design actif avec les équipes, et je voudrais remercier tous les intervenants, on va avoir des grands pontes de la cardiologie, on va avoir des grands pontes de l'architecture, on va avoir des experts, un très grand champion dans quelques minutes également qui viendra témoigner. Mais avant cela, peut-être en quelques mots, vous présenter les trois grands défis sur lesquels repose la réussite de Paris 2024. Je vais les citer peut-être rapidement. Premièrement, c'est la célébration. Donc comment est-ce que ce projet est le reflet d'une France qui rayonne, qui pétille, qui est enthousiaste, qui réussit. Et on aura l'occasion en 2024 de démontrer cela à travers des sites très spectaculaires. On veut réussir à conjuguer finalement notre patrimoine culturel et les valeurs du sport. Et mettre le sport en dehors des stades, dans des sites iconiques, au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles pour les épreuves d'équitation. Un peu partout dans le territoire, ici, une image de Marseille qui accueillera les épreuves de voile, mais aussi de football d'ailleurs, comme d'autres villes françaises. Et les épreuves de surf à Tahiti, en Polynésie, puisque la plus belle vague du monde à cette époque de l'année est française et elle est à Tahiti sur la vague mythique de Tiopo. Et donc on aura aussi l'opportunité de valoriser cette diversité, cette richesse du patrimoine français. On a souhaité rajeunir aussi et compléter le programme des Jeux de Paris 2024 avec ces quatre sports à la fois urbains, je pense au breaking effectivement ou au skateboard, mais aussi aux sports un peu plus nature d'extérieur comme l'escalade et le surf pour compléter les 28 sports qui étaient déjà au programme et encore une fois rajeunir finalement les passionnés des jeux et du sport. Un autre engagement très important pour Paris 2024, c'est la parité. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y aura 100% de parité en termes de participation sportive. Et c'est un enjeu très important pour nous. Le deuxième défi pour Paris 2024, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Et effectivement, ça a été dit, comment réussir à parler d'héritage avant même le début des Jeux. C'est là, pour nous, la réussite de cette ambition, c'est de mobiliser toutes les forces vives de ce pays dès maintenant, le plus tôt possible, pour vraiment réussir à créer de l'impact. Et pour nous, l'impact et l'héritage, ils résident sur deux grandes dimensions. Premièrement, c'est un nouveau modèle d'organisation, plus sobre,
et on va diviser par deux les émissions carbone parce qu'on va s'appuyer sur 95% d'infrastructures déjà existantes. Et c'est un enjeu pour nous de démontrer qu'aujourd'hui, les Jeux olympiques et paralympiques sont un modèle vertueux qu'il faut co-construire ici en France. Et on a un deuxième défi en matière d'héritage, c'est effectivement en matière d'héritage immatériel, au-delà des infrastructures, comment réussir à mobiliser la population française pour l'inciter à pratiquer plus d'activités physiques. Alors ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les quartiers, ça peut être dans les entreprises. Trouver des initiatives nombreuses pour que tous les jours, l'activité physique rentre dans le quotidien des Français. L'Organisation mondiale de la santé nous recommande de pratiquer 30 minutes d'activité physique quotidienne pour la population. 85% des moins de 11 ans ne le font pas. On a un vrai défi, c'est de réussir à embarquer cette génération 2024 vers davantage de pratiques physiques. Sinon, on est au devant d'une grande crise sanitaire, mais je suis sûr qu'on y reviendra dans quelques minutes. Le troisième défi pour nous, qui est très important, et ça a été dit, c'est celui de l'engagement. Comment réussir à ce que ce soit une vraie aventure participative ? Comment ces Jeux de Paris 2024 sont les plus ouverts possibles et permettent, même si on est loin des compétitions finales de l'été 2024, comment est-ce qu'on arrive à embarquer tout le pays dans l'aventure Terre de Jeux 2024 ? Et on y reviendra dans quelques minutes, mais quelques exemples très rapidement. Premièrement, c'est la possibilité en matière d'engagement pour les Français passionnés du sport, passionnés des Jeux, de faire partie de l'aventure club, le Club Paris 2024, et donc de rencontrer les athlètes, mais aussi de vivre l'aventure des Jeux en étant en participant au Relais de la Flamme, en devenant volontaire pendant les Jeux. On va multiplier ces initiatives dans les trois prochaines années pour que les Français puissent être vraiment connectés à tout ce qui se passera autour de Paris 2024 en devenant membre du club Paris 2024. Le deuxième exemple, c'est que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, on va ouvrir la participation de quelques épreuves au grand public, et donc le marathon des Jeux, l'une des épreuves reines des Jeux, eh bien pour la première fois dans l'histoire, les Français pourront courir ce marathon le même jour, sur le même parcours. On pourra participer aux Jeux olympiques pour les passionnés. Et donc c'était important pour nous de vous démontrer que finalement c'est un événement spectaculaire qui doit faire rayonner la France. C'est un événement qui s'engage sur quelques défis de notre société en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de lien social, en matière de parité. On a envie de faire bouger les lignes pour un nouveau modèle d'événement. Et puis enfin, c'est un événement qui se veut être le plus ouvert possible. Tous les territoires qui souhaitent aujourd'hui faire partie de cette aventure et associer leur population à la réussite des Jeux ont la possibilité de s'inscrire dans nos différents programmes. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce programme Terre de Jeux 2024 et à bénéficier de tous les avantages entre guillemets et opportunités en lien avec Paris 2024. Voilà très rapidement, et je vous rends la parole peut-être Romain Lachance, qui est le directeur de l'engagement à Paris 2024, qui va vous en dire un petit peu plus sur ce programme Terre de Jeux 2024. Merci Président. Un petit mot effectivement sur Terre de Jeux 2024. Tu as déjà parlé du club Paris 2024. Alors, j'ai plus besoin de faire la promotion du club, mais si vous n'êtes pas déjà membre du club, vous pouvez l'être. Merci à la ville de Bourges de nous accueillir. Ravi de cette collaboration avec Action Cœur de Ville. C'est vraiment la démonstration de ce qu'on est en train de mettre en place et des synergies qu'on est en train de trouver pour les Jeux olympiques et paralympiques. J'en suis ravi. Et merci aussi à vous tous qui nous écoutez, qui nous regardez en ce moment, notamment aux 143 villes Terre de Jeux 2024 qui font partie du programme Action Cœur de Ville et des villes moyennes. Alors, le programme Terre de Jeux 2024, rapidement, mais toute l'équipe Terre de Jeux sera à votre disposition si vous avez des questions spécifiques. C'est déjà la première fois de l'histoire des Jeux qu'on a réussi, avec notamment le CIO, à créer ce label Terre de Jeux 2024. Il faut savoir que dans les Jeux précédents, les collectivités et le mouvement sportif ne pouvaient pas s'associer de cette manière autant aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc, on a trouvé un accord avec le CIO qui a largement impulsé et nous a aidés pour construire ce label Terre de Jeux 2024. Donc, on en est ravis.
Et on a quelques axes. Alors, vous l'avez déjà dit, hein, c'est comment on va mettre plus de sport dans la vie des Français. On n'y arrivera pas tout seul. Ce sont les jeux de tout le territoire. Donc, on va y arriver forcément tous ensemble avec le sport pour éduquer et s'engager. Alors, Marie Barsac, qui est directrice Impact et Héritage pour Paris 2024, va nous en parler après. Mais voilà, vous connaissez la semaine olympique et paralympique, un de nos programmes phares, hein, avec l'éducation nationale. Le sport pour bouger plus, pareil, Marie vous en parlera, notamment des 30 minutes de sport par jour. Et puis, le sport pour plus d'inclusion, d'égalité et de solidarité. Ce sont des sujets qu'on va pousser au quotidien et que vous poussez de toute manière déjà au quotidien, parce que vous n'avez pas attendu Terre de Jeux 2024 pour faire cela. En tout cas, voilà, on va essayer d'être une vraie caisse de résonance pour faire la promotion de tous vos programmes. Alors, on a un certain nombre d'outils hein, maintenant qu'on a mis en place depuis pratiquement 2 ans. Maintenant, c'est passé vite, ça passe très vite. Nous avons lancé une nouvelle charte graphique la semaine dernière qu'on vous a présentée avec une nouvelle boutique, avec un nouveau site internet également. Et puis voilà, on a beaucoup de programmes différents qu'on a mis en place, notamment le parcours Explore Terre de Jeux, où on vient valoriser dans vos territoires des parcours de santé. Alors, je crois qu'on a plus de 200 parcours de santé déjà identifiés et labellisés Terre de Jeux 2024. Mais pareil, je vous encourage à aller encore plus loin pour faire bouger la population avec Explore Terre de Jeux. On est en train de travailler sur la saison 2 d'Explore Terre de Jeux avec l'ADF et avec le CPSF pour des parcours accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, on essaie d'aller plus loin. Alors, en quelques chiffres, hein, c'est maintenant plus de 1600 communes et interco qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, 90 départements, 11 régions, 46 fédés, hein, puisque bien sûr le mouvement sportif est dedans et est labellisé aussi, les Cross Lake Dos, une ambassade, c'est Tokyo. Et bientôt, nous allons aussi avoir tout un programme d'activation au sein des clubs sportifs via les fédérations. Voilà, alors ravi encore, et je pense qu'on va rentrer dans le détail avec Roland sur Action Cœur de Ville et sur cette notion de design actif. Toujours pareil, hein, mettre plus de sport dans la vie des gens, dans la vie des Français, de manière aussi assez ludique. Hein, c'est la pratique douce, je crois que tu disais, Marie. Plus d'attractivité dans les centres-villes. Et puis, on va vous expliquer ça dans le détail, mais c'est un programme. On en attend beaucoup, en tout cas, nous, au sein de Paris 2024. Je vais laisser Roland rentrer un peu plus dans le détail. Merci beaucoup, Romain. Juste donner quelques aperçus de réalisation en cours, enfin de réalisation ou de projets en cours menés dans des villes Action Cœur de Ville actuellement, je dirais, pour promouvoir le sport, la santé, cette synergie. Et l'essence même, et c'est pour répondre à une première question d'un internaute, l'essence même du programme Action Cœur de Ville, c'est d'accompagner les projets des collectivités, mais d'agir en totale cohérence sur l'ensemble des items. Bien sûr, la requalification de l'espace public, des logements, des commerces, du patrimoine, les mobilités, les services essentiels à la population, la transition écologique et la nature en ville, qui est un des grands sujets aujourd'hui où on souhaite, dans ces villes à taille humaine, encore avoir accès davantage à la nature, aux équipements, etc. etc. Et donc, l'intérêt des actions menées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, c'est que les villes, je dirais, ont carte blanche pour mener sous leur responsabilité ces opérations. Et elles, bien sûr, notre mission à nous, État, financeurs, partenaires, c'est de les accompagner du mieux possible. Un point rapide de bilan, donc on l'a dit tout à l'heure, 143 villes Action Cœur de Ville sont déjà labellisées Terre de Jeux, mais il n'y a pas de numerus clausus. Et donc, bien sûr, toutes les autres villes Action Cœur de Ville qui souhaitent rejoindre Terre de Jeux sont les bienvenues. Sur un échantillon d'environ de 250 villes sur 222, plus de 100 projets concourent au développement du sport et de la santé en ville. Et on va vous en donner quelques-uns. Une ville sur deux du programme a un projet ou des réalisations en cours de développement de la pratique du vélo, notamment. Et puis, il y a effectivement une trentaine de projets liés à la construction, modernisation de grands équipements sportifs. Et enfin, quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de villes, c'est la requalification des berges de fleuves ou de lacs. Hein, on le voit, vous le présenterez, monsieur le maire, tout à l'heure pour Bourges,
où effectivement parfois ces espaces qui avaient été un peu délaissés, hein, je parle au niveau national, sont aujourd'hui l'objet d'opérations importantes de requalification, de réaménagement. On redécouvre nos berges, on redécouvre nos fleuves, on redécouvre nos lacs et parfois on redécouvre la mer. Quelques exemples très rapides de projets. Le premier, c'est à Brignoles, construction d'un ensemble sportif qui est à la fois, on pourrait dire que c'est assez classique, mais en même temps, c'est un lieu qui sera un lieu de convivialité, associatif, énormément de services, d'accueil aussi des scolaires en grand nombre. Et vous avez vu une architecture qui est extrêmement valorisante. À Grasse, autre exemple intéressant, c'est que c'est la création d'un parc naturel et sportif dans un ancien site industriel. Et là encore, il est en phase d'étude et avec des jonctions entre différents quartiers de la ville, puisque vous savez que Grasse est en altitude, est une ville qui grimpe beaucoup, si j'ose dire. Et donc, en requalifiant cette friche industrielle et en faisant, je dirais, un parc à la fois paysager, naturel et sportif, et recouturant les liaisons entre deux quartiers, ce sera un projet qui concourra aussi à la cohésion entre toute la ville. L'autre projet, c'est à Limoges, un parc urbain des bords de Vienne, où vous voyez qu'il y a à la fois un mur d'escalade, des cheminements piétons réalisés en 2019. Le site de la filature est en cours d'aménagement dans le programme Action Cœur de Ville. Et là encore, c'est une illustration de requalification des berges pour en faire des lieux que tout le monde peut s'approprier. À Sartrouville, si je ne me trompe pas, c'est un parc de fitness sur les quais de la Seine. C'est-à-dire que vous voyez là quelqu'un d'ailleurs qui nous donne un peu le complexe de ne pas en faire assez souvent, c'est-à-dire de s'exercer à la libre et ludique activité sportive. Et donc, c'est à la fois ouvert à tout le monde et même avec la ville a mis en place des coachs qui, sur le parcours, peuvent aider tous les citoyens qui souhaitent s'adonner à cet exercice physique de manière ludique le long de la Seine, ce qui est tout à fait remarquable. Là, c'est la ville d'Oyonnax, où c'est les espaces verts comme lieu privilégié du sport santé, des aménagements de parcours ludiques et sportifs pour les jeunes enfants. Tony Stanguet parlait en disant qu'il y avait un problème d'activité physique, notamment chez les moins de 11 ans, et un parcours sport santé pour tous, donc à la fois sport santé, moteur et ludique, avec 9 espaces de projet disséminés à travers la ville. Bougez-vous en cœur de ville. Et puis, il y a des agrès qui permettent le travail musculaire et cardio-musculaire respiratoire. Ça anticipe la réouverture des clubs de gym bientôt. Et puis, en Angoulême, c'est quand le mobilier sportif s'invite dans l'espace public, c'est l'espace de loisirs Bourgine. C'est accroître la fréquentation du site en proposant des équipements adaptés aux pratiques des usagers du site avec des pistes de vélo pédagogiques dont vous voyez l'avant et l'après. Et puis, à Saint-Omer, concourir à un meilleur cadre de vie à l'échelle de la ville. Et là, c'est là où on voit bien la cohérence de l'insertion de ces actions dans un projet cœur de ville au sens global. C'est le développement de la pratique du vélo, mais très concrète, l'installation de parkings vélo sécurisés dans le périmètre marchand, la concertation avec les associations et les usagers du vélo, de la marche à pied et de la prise en compte du handicap, parce que la question de l'accessibilité est bien sûr un enjeu très important pour l'ensemble de ces installations, la limitation de la vitesse de la circulation routière pour faire développer des zones de rencontre. Et on voit bien qu'à Limoges, à Bourges, on est aussi dans cette démarche. Et puis, mise en place du permis vélo, etc. Je citerai par exemple aussi Poissy, qui a mis en place des plots de réparation du vélo, parce que parfois, le vélo, il faut aussi le réparer. Voilà en tout cas quelques exemples que je souhaitais illustrer, mais il y en a à peu près plusieurs dizaines, et vous voyez bien que beaucoup de projets sont encore en train d'être maturés. Mais je voudrais aussi donner la parole à monsieur le maire de Vichy, qui nous a fait le plaisir de venir. Peut-être, monsieur le maire, je pense intervenir là-bas, ce qui vous permettra aussi de voir le grand écran, et nous faire le témoignage d'une ville, Action Cœur de Ville, qui est labellisée Terre de Jeux, donc monsieur Frédéric Aguilera. Et je vous souhaite tout de suite bien volontiers la parole pour nous donner le,
le témoignage à la fois de vos réalisations et de vos projets dans ce cadre. Et vous êtes maire de Vichy depuis octobre 2017, président de Vichy Communauté, et vous êtes aussi passionné de numérique et de nouvelles technologies. Peut-être que les deux choses peuvent se marier, je vous en prie. Bien, monsieur le directeur, merci beaucoup, madame la ministre, monsieur le ministre, cher Tony Estanguet, monsieur le président, mesdames et messieurs, monsieur le maire. Merci effectivement de me donner la parole sur ce sujet, un sujet passionnant pour Vichy, passionnant pour les Vichysois. Le design actif, la revitalisation de notre centre-ville, ce label Terre de Jeux, c'est pour nous un peu notre ADN depuis toujours. C'est à tel point notre ADN depuis toujours qu'on est en cours de labellisation ou d'inscription à l'UNESCO. Notre candidature va être examinée au mois de juillet de cette année, si tout se passe bien. Et en fait, je l'expliquerai en quelques mots tout à l'heure, ce qui est au cœur de cette labellisation, qui est une labellisation transnationale avec 10 autres villes européennes, on est la seule ville française sur les plus belles villes d'eau d'Europe, eh bien, c'est totalement ce concept de design actif, d'urbanisme actif. Parce qu'en fait, la spécificité des villes d'eau, c'est de s'être organisé pour que les gens puissent vivre à pied et marcher au quotidien et se déplacer au quotidien à pied. Et un siècle, un peu plus d'un siècle après ce concept qui s'est développé dans notre ville, et c'est ce que je vais vous expliquer, eh bien, on a une personne sur deux, un Vichysois sur deux, qui au quotidien se déplace à pied. Donc quand on parle d'activité douce, de déplacement doux, toute cette ville a été organisée et toutes les villes thermales sont organisées comme ceci, sur un souci de se déplacer, d'inciter à la marche, d'inciter à la promenade, avec plus d'un tiers de la ville qui est une ville-parc, concernée par des parcs, avec un lac en cœur de ville dont tous les paysages ont été constitués pour ce qu'on appelle des paysages thérapeutiques incitant à la balade, et avec des équipements sportifs majeurs. Donc nous avons signé cette convention cœur de ville. Nous sommes dans la démarche Terre de Jeux, dans ce souci, et pour faire converger, ce qui est déjà dans notre ADN, converger toutes ces politiques. Vous le voyez dans ce schéma global, et on aurait pu un peu l'élargir, l'importance de la notion de parc dans ces villes d'eau. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, et en quelques mots, une ville thermale est souvent... Les grandes villes thermales sont constituées comme ça. Pour celles qui ont été constituées autour des thermes, c'est évidemment au départ une source. Autour de cette source, on crée un établissement thermal, un lieu où on peut se servir de l'eau. Puisqu'il fallait faire venir des curistes, on mettait des hôtels. Puisqu'ils étaient là pendant plusieurs jours, il fallait qu'il y ait de l'activité. Cette activité, c'était souvent, madame la ministre, des hippodromes, des casinos, des théâtres, des opéras. Et puis l'après-midi aussi, parce que c'était extrêmement important après la cure, il fallait des grands lieux de déambulation, des zones de promenade extrêmement préservées aussi des véhicules selon les époques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forte densité et cette organisation, et la ville est constituée réellement pour cette activité et pour vivre à pied. Si on passe sur la slide suivante, on le voit sur cette nouvelle image. L'autre spécificité, c'est que dans les années 60, un de mes prédécesseurs a dit ben, le thermalisme, certainement de l'avenir, mais il faut aussi qu'on se développe énormément sur le sport. Et sur l'autre berge, eh bien, vous avez à gauche, en haut de la photo, la ville de Vichy, et ses 400 hectares, 25 000 habitants, 400 hectares, une très très forte densité, donc très très forte densité, ce qui fait qu'on se déplace à pied au quotidien. Et sur l'autre berge, 500 hectares d'équipements sportifs. 400 hectares de ville, 500 hectares d'équipements sportifs. Parce qu'il a dit qu'il faut se lancer dans le sport à fond dans les années 60, et c'est ça l'avenir, c'est le sport. Une rivière artificielle, un centre omnisport, un hippodrome, un golf 18 trous, tout ça accessible à pied par des berges sécurisées autour du lac où on n'a pas besoin de prendre les véhicules. Donc tout ce grand centre omnisport avec un Krebs qui est en cours de modernisation, en cours de développement, puisqu'on investit avec la région près de 50 millions d'euros pour moderniser tous ces équipements. Entre autres, pas que dans la perspective évidemment des JO 2024 avec un centre d'excellence qui est en train d'être constitué au Krebs, ce qui nous permet d'ailleurs, parce qu'on parle de Terre de Jeux, mais d'avoir obtenu la labellisation de 40 disciplines pour centre de préparation aux Jeux, hein, 23 disciplines
olympiques et 17 disciplines paralympiques. Donc, ce qui en fait effectivement, là aussi, je pense, une des destinations remarquées, remarquables. Et petite parenthèse, la Fédération française de natation vient d'annoncer qu'elle choisissait Vichy comme son centre de préparation aux Jeux pour 2024. Donc, on voit qu'on est dans cette dynamique sportive. Et tout ce centre, évidemment, et l'essentiel de ce centre Omnisport, ouvert au grand public et à usage aussi de nos clubs, c'est évidemment une évidence. Les événements autour du sport aussi, si je passe à la slide suivante, c'est de dire que tous nos événements sportifs, ils doivent aussi être très ouverts sur la ville. Trop souvent, on a concentré les événements sportifs dans nos équipements sportifs. Notre souci majeur, c'est d'ouvrir tous ces événements. On a tous les ans l'Ironman qui se déroule à Vichy. On va avoir avec le CNOSF, on organise les premiers Masters. Là, normalement, si tout se passe bien, si la crise sanitaire nous lâche un petit peu, on organise les Masters en fin d'année. On vient d'obtenir les Global Games pour 2023. Donc, une grande compétition pour le sport adapté. Donc, on sera le site retenu au niveau mondial pour organiser ces Global Games. Et tout ça, on l'a voulu dans une organisation pour ces grands événements, une organisation en centre-ville. Toujours dans le même souci, très souvent, et cette expression a été utilisée tout à l'heure, on parle de la culture hors les murs pour aller au contact de nos concitoyens. Là, on est bien dans cette logique de sport hors les murs pour sortir le sport des équipements sportifs, aller dans les centres-villes. Et si vous passez à la slide suivante, on aura quelques exemples. Là, on est sur un des sites patrimoniaux de référence qui est classé monument historique, où tous ces événements, on s'en sert aussi pour animer le cœur de ville, pour faire vivre notre centre-ville. C'est-à-dire que notre centre-ville, notre patrimoine, comme ça a été expliqué par Tony Estanguet tout à l'heure pour les JO de 2024, où on veut des sites emblématiques pour les compétitions, eh bien, on se sert de nos sites emblématiques historiques en cours de labellisation UNESCO, en plein centre-ville, pour animer la ville, pour que le sport soit évidemment aussi une fête tout au long de l'année. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et puis, la multiplication aussi, évidemment, des activités. Je parlais de la marche à pied tout à l'heure, mais énormément d'activités gratuites organisées tout au long de l'année pour les Vichysois, mais aussi pour les touristes, pour les curistes, pour utiliser toutes nos infrastructures. Alors, sur toutes ces activités, on est vraiment en convergence. Et puis, que ce soit le label Terre de Jeux, que ce soit au niveau de cette notion de dynamisation de notre centre-ville avec le dispositif Cœur de Ville, tout ça, nous avons inscrit cela, évidemment, dans cette convention Cœur de Ville pour faire converger toutes nos politiques. Alors, on avait sur un certain nombre de grands programmes comme l'aménagement des berges, etc., pris un peu d'avance puisqu'on a investi 50 millions d'euros pour rénover l'ensemble de nos berges. Mais on a poursuivi l'année dernière avec tous des dispositifs pour découvrir aussi cette dernière rivière sauvage de France qui est l'Allier, puisqu'on a organisé au départ du centre-ville des grandes balades, des grandes voies vertes. On a plus de 60 km de boucles de voies vertes en vélo et à pied que l'on peut maintenant, depuis l'année dernière, utiliser tout autour de cette rivière pour se balader, pour faire de l'activité au quotidien. Je dis, c'est déjà dans notre ADN et moi, je suis extrêmement fier d'être maire justement de l'une des villes où 50% de sa population laisse au quotidien sa voiture dans le garage, marche à pied. Et d'ailleurs, c'est un enjeu important. On parle beaucoup du développement du vélo. L'une de mes problématiques, c'est évidemment de développer le vélo, mais de ne pas casser aussi la dynamique autour de la marche à pied. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des conflits d'usage. Et quand on est à 50% de la population qui est à pied, si vous prenez garde dans les aménagements urbains et que vous introduisez maladroitement le vélo, vous pouvez avoir des conflits d'usage qui peuvent faire reculer aussi la présence du piéton. Donc j'ai cet équilibre-là et on a cet équilibre-là dans cet urbanisme actif à trouver aussi. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout qu'on a une population d'un certain âge qui effectivement ne supporterait pas ces conflits d'usage. Voilà toutes ces stratégies de convergence entre le sport, l'aménagement de nos centres-villes, la dynamisation de nos centres-villes par l'activité et par le sport événement, évidemment. Merci beaucoup, monsieur le maire, et bravo pour toutes ces actions. Et vous avez raison, le design actif vise à favoriser toutes les mobilités douces, mais d'abord la circulation pédestre, si j'ose dire, et l'exercice physique, bien entendu. Un témoignage, la maire de Calais ne pouvait pas être avec nous, mais elle nous a envoyé une petite capsule vidéo, Natacha Bouchard.
la ville de Calais. La Calais est aussi, bien sûr, une ville action cœur de ville et terre de jeu. Madame Bouchard est maire de Calais depuis 2008 et présidente du Grand Calais Terre et Mer depuis 2015. Est-ce que la vidéo est prête? Si elle est prête, on la lance. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir pensé à Calais et puis à notre programme dans lequel on insère beaucoup en fait, d'activités sportives dans la rue hors les murs en prévision et en prospective de la candidature de s'intégrer au programme de Paris JO 2024. Ici, vous êtes sur Calais, la plage, la requalification complète du front de mer pour laquelle le sport a la part belle puisque derrière moi est en train de se finaliser le plus grand skatepark européen pour y accueillir ce type de compétition, même mondiale, sur plus de 3000 m2, enterré, comme vous le voyez, dans le sable et la digue. Pas très loin, juste à mes côtés, le belvédère. Belvédère qui donne en fait avec une vue sur la plage, mais qui structurellement va pouvoir accueillir des matchs de beach volley, puisque le terrain est intégré à l'intérieur du belvédère. Et puis les parcours sportifs, parcours santé avec plusieurs agrès qui sont en train d'être installés. Un city stade également, donc en plein cœur en fait de ce quartier. Et puis beaucoup d'aires de jeu qui amènent en quelque sorte la mobilité et l'envie de pratiquer une activité sportive. Ces dispositifs, pour beaucoup, sont déployés dans l'ensemble des quartiers de la ville. C'est pas seulement ici aujourd'hui la plage, mais c'est aussi dans les différents quartiers de la ville, politique de la ville ou pas d'ailleurs. Et donc sur le principe suivant, dès qu'on a une aire à disposition, eh bien on y met les agrès du street workout. On compose en fait aussi les programmes avec nos jeunes, mais aussi des anciens qui pour beaucoup ont lâché peut-être l'activité sportive. Merci à la maire de Calais et en tout cas, elle nous invite à des pratiques physiques, je dirais, toniques. Moi qui suis originaire du Nord-Cotentin, je sais ce que ça veut dire. Très bien, Romain, maintenant nous allons aborder la question du constat alarmant et faut-il bouger plus? Je crains que oui. Eh oui. Je te laisse introduire la séquence. Eh oui, donc maintenant il va falloir bouger plus, on va aller bientôt à Vichy, à Calais, voilà, on a hâte de se déplacer. Je vais laisser la parole, moi, Roland, à Marie Barsac, qui est directrice Impact Héritage, et celle qui va tous nous faire bouger plus, ou encore plus. Merci Romain, bonjour à toutes et tous. Nous allons d'abord accueillir ce matin un célèbre cardiologue, François Carré, qui accompagne Paris 2024 dans la construction de sa stratégie pour faire bouger les Français. Tony vous l'a dit, c'est vraiment un axe extrêmement fort de notre action et nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec des experts, le collectif pour une France en forme, pour le citer, qui sont au service aussi de la dynamique que l'on souhaite enclencher avec l'association Action Cœur de Ville pour mettre du design actif dans les politiques d'aménagement urbain. Donc je vais peut-être céder la parole du coup à monsieur le professeur Carré qui est en visio avec nous et qui va vous expliquer les enjeux qui nous ont évidemment amenés à nous mobiliser sur ce sujet de la lutte contre la sédentarité et de la promotion de l'activité physique et sportive. Est-ce que le professeur François Carré est en ligne? Et si oui, je vais laisser Marie l'interviewer. Alors, oui. Bonjour professeur. Nous vous voyons, nous vous entendons pas encore, peut-être le son. Alors, professeur Carré est professeur à l'université de Rennes. Donc, nous voyageons ce matin. J'essaie de meubler un peu, vous comprenez. Je ne sais pas si c'est très efficace. Non, on n'a pas le son. Il a coupé le son, apparemment, monsieur le professeur. Il faut remettre l'électrocardiogramme en route. Alors, il est peut-être en téléphone. S'il n'a pas, ça me va. Ou sinon, on va peut-être. Je ne sais pas qui il appelle. Non. D'accord, la régie.
que la régie me dise ce qu'il faut faire, sinon on va passer à l'orateur suivant et puis on reprendra. Oui, alors peut-être que on va peut-être essayer de régler le problème avec le professeur Carré et on va faire à l'envers. Donc, fort du constat que vous brossera le professeur Carré, nous avons décidé d'agir et donc, je vous le disais, de construire une stratégie qu'on appelle Bouger Plus, mais qui vise juste à englober. Je crois qu'il y a quelques slides qu'on peut mettre à l'écran pour que nous cadrions notre action. Ah, oui, on vous entend, monsieur le professeur. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Je vous prie donc de m'excuser. Je suis ravi, bien sûr, d'être avec vous et je vous remercie de m'avoir invité, même si de temps en temps on me présente comme le cardiologue alarmant. En fait, je suis là que pour vous parler des problématiques à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Et sur la diapositive que vous voyez, je vais vous montrer un petit peu les constats. Les constats sont simples. Premièrement, c'est le capital santé de la population en déclin. Ça peut surprendre. Pourquoi ? Parce que la capacité physique de nous tous représente notre capital santé. Si j'ai une bonne capacité physique, j'ai une bonne santé. C'est relativement simple. Et pourtant, on sait que l'inactivité physique, actuellement, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. On considère qu'il y a à peu près 35 millions de décès de maladies chroniques dans le monde et que une des causes principales, c'est le fait d'être pas assez actif et trop sédentaire, c'est-à-dire de passer trop de temps assis. Alors c'est vrai que les modes de vie actuels, ça nous pousse à cette inactivité physique et à cette sédentarité, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on sait aujourd'hui, on a les preuves que la santé diminue. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en France, il y a plus d'un adulte sur deux et un enfant sur cinq qui sont en surpoids. Ce message, il faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la norme en France, c'est d'être en surpoids. Pourquoi ? Parce que 51% des adultes sont en surpoids. Donc, ça va devenir normal d'être en surpoids. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, nous médecins. Savoir que les maladies chroniques touchent de plus en plus de personnes en France actuellement, après 65 ans, 75% des Français prennent un médicament. Et ça, c'est de plus en plus jeune. On commence à avoir des diabétiques de l'âge de 16 ans. Quand j'ai commencé médecine, certains me diront en voyant mes cheveux blancs que ça fait longtemps, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé médecine, le diabétique, c'était l'homme de 45-50 ans. Aujourd'hui, ça s'observe chez les sujets beaucoup plus jeunes. Alors c'est un enjeu de santé publique pour la jeunesse, la jeunesse c'est l'avenir et c'est pour ça que nous médecins nous sommes très inquiets puisque 87% des enfants entre 11 et 17 ans ne font pas ce qui est recommandé, c'est-à-dire une heure par jour d'activité physique, ce qui fait qu'on est quand même classé à la 119e place sur 146 pays selon l'Organisation mondiale de la santé au niveau de l'activité physique chez les jeunes et surtout le capital santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, la capacité physique des collégiens a baissé d'environ 25% en 40 ans. Cette activité physique, de plus, reproduit les inégalités sociales, puisqu'on sait aussi que dans les régions, les territoires socio-économiquement défavorisés, il a de plus en plus de risques pour les enfants de ne pas respecter ces 60 minutes d'activité physique qui sont nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Paris 2024 a déjà instauré en collaboration avec l'éducation nationale les 30 minutes d'activité physique recommandées chaque matin dans les écoles primaires. C'est quelque chose qui s'est mis en place, c'est bien, mais ça veut aussi dire qu'il reste encore 30 minutes qui doivent être mises en place par les familles. Et c'est là qu'on se retrouve devant un problème. On se retrouve devant ce problème, pourquoi ? Parce que les familles, mais comme les adultes, comme nous tous, sinon je ne serais pas là en train de vous parler, nous n'avons pas conscience du risque que cela représente pour notre santé, l'inactivité physique. Pourquoi on n'en a pas conscience ? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme le tabac il y a 60 ans. Il y a 60 ans, tout le monde fumait, personne ne savait que c'était dangereux. Il a fallu beaucoup de temps pour que les gens nous croient quand on disait que c'était dangereux. On a eu des preuves et petit à petit, on arrivait à convaincre les gens. Eh bien, c'est pareil, les gens ne bougent pas assez, c'est mauvais pour leur santé, ils ne le savent pas. Les parents ne savent pas que c'est mauvais pour leurs enfants. Et c'est effectivement quelque chose qui est très inquiétant. Alors, on a une opportunité unique. Cette opportunité qui est unique, elle nous est proposée en particulier par les Jeux Olympiques de 2024. C'était en fait de mettre en marche, de faire bouger l'ensemble de la population, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé.
Mais pour ça, il faut que tout le monde, collectivement, on décide de prendre vraiment les choses en main, et en particulier au niveau politique, que tous les dirigeants, les villes, mais là, ce que j'ai entendu avant de prendre la parole m'a rassuré, parce que j'ai vu que j'ai l'impression, en tout cas les personnes qui ont parlé avaient pris conscience de ce problème, il faut vraiment qu'on s'unisse tous pour arriver à changer le mouvement. C'est ce qu'on appelle, nous, inverser la courbe. Inverser cette courbe de baisse du capital santé pour faire en sorte qu'elle remonte. C'est très facile. C'est très facile. L'Organisation mondiale de la santé le résume très bien. C'est bouger. Tous. Chaque jour. Partout. Ça veut donc dire que là-dedans, on a bien sûr le design actif qui va jouer un rôle, qu'on nous donne la possibilité de bouger, qu'on soit aidé avec des rues où on puisse marcher en sécurité, des endroits où on puisse aller courir, même le soir, en sécurité, où l'on puisse aussi faire du vélo, comme ça a été décrit un petit peu précédemment. C'est donc vraiment un levier positif qui va être incitatif, qui doit donner l'envie et le plaisir de personnes pour bouger et lutter contre la sédentarité. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce message. Merci beaucoup. Merci, professeur. Alors, vous avez bien compris que nous avons été très sensibles au message du professeur Carré et de ses collègues, et c'est pour ça que nous avons construit cette stratégie Bouger Plus que j'évoquais tout à l'heure. Le premier axe de cette stratégie, c'est de donner envie de bouger. Vous avez compris qu'il était très convaincant, le professeur Carré, quand il explique la situation de la sédentarité en France et que c'est un levier formidable, les Jeux olympiques et paralympiques, pour faire prendre conscience à la société dans son ensemble que c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est maintenant qu'il faut inverser la courbe. Et c'est comme ça qu'on a pu convaincre l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'introduire dans le quotidien des enfants à l'école primaire 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui avec vous pour convaincre les villes à s'engager, à intégrer du design actif dans les projets d'aménagement urbain de leur territoire. Nous, notre sujet, c'est vraiment ça, d'utiliser les Jeux comme une plateforme phénoménale pour que tout le monde se mobilise dans le même timing. Les Jeux, c'est dans 3 ans. Tony vous l'a dit, ça commence maintenant et ça doit durer après 2024. Mais aujourd'hui, il faut agir, il ne faut pas attendre. N'attendons pas 2024, prenons des décisions aujourd'hui, maintenant. La dynamique, doit être lancée aujourd'hui. Alors pour cette dynamique, il faut des actions. Donc une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a convaincu, il faut agir. Et là, du coup, on a un plan d'action pour bouger plus au quotidien. Et puis on a un troisième axe important, je vais y revenir sur le bouger plus au quotidien, mais le troisième axe important aussi, c'est de donner un rôle aux clubs, parce que les clubs font partie de la solution. Les clubs peuvent être utiles pour aller dans les écoles, pour faire bouger les enfants, pour leur donner le goût d'aller pratiquer le sport dans un club. Les clubs peuvent être utiles pour les entreprises, pour mobiliser les collaborateurs à bouger au quotidien, pas seulement pour aller au travail, mais aussi sur leur lieu de travail, parce que le week-end, ils ont aussi d'autres activités. Et le club peut être aussi utile pour vous, les collectivités, pour faire bouger vos habitants. On a vu des exemples tout à l'heure à Vichy d'animation sportive dans l'espace public. Eh bien, nous faisons la promotion de cette activité physique dans l'espace public animée par les clubs et nous encourageons les fédérations à aider les clubs à sortir du club pour être la solution pour l'ensemble des acteurs de la société. Donc, vous voyez que cette stratégie, elle est très pragmatique. Alors, bouger plus au quotidien, je vous le disais, ça doit nous permettre de bouger plus à l'école. Ça doit nous permettre de faire bouger plus dans les entreprises. Et on a un gros travail avec, évidemment, les partenaires sociaux. On a signé une convention avec l'ensemble des centrales syndicales, patronales et salariés. Et un des axes de travail, c'est évidemment d'encourager l'activité physique sur son lieu de travail. Et puis, un troisième axe très structurant pour vous, qui est celui des collectivités territoriales pour bouger plus dans l'espace public. À chaque fois, notre mantra, c'est 30 minutes d'activité physique et sportive. 30 minutes pour les enfants à l'école, et vous l'avez compris, 30 autres minutes à côté de l'école. Et pourquoi pas pour aller à l'école, parce que l'école est aménagée, autour de l'école sont aménagés des espaces qui permettent de bouger en allant à l'école. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est 1 heure, la recommandation de l'OMS. Donc déjà, on fait 30 minutes dans le temps scolaire, il ne reste plus que 30 minutes. Et puis pour les adultes, c'est 30 minutes par jour. Donc 30 minutes, ça se trouve. Et l'espace public doit être un endroit pour bouger 30 minutes. Il n'y a plus d'excuses, ça c'est le mot de Tony toujours, il n'y a plus d'excuses pour ne pas bouger tous les jours. Et donc, l'aménagement des villes est évidemment une clé pour ça. Nous avons pris l'engagement à Paris 2024, par exemple, aussi, d'aménager... nos espaces de compétition temporaires
en design actif pour que les spectateurs qui viendront sur les épreuves des Jeux soient encouragés à bouger en attendant de se rendre dans l'épreuve sportive, dans le stade, dans l'enceinte. C'est important parce qu'on est tous allés voir un match de sport ou un concert comme ici, et qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On reste debout, on fait rien. Donc là, l'objectif, c'est de bouger. Et pour ça, il faut créer des aménagements. Donc ça, ce sont autant de démonstrateurs que l'on va faire à la petite échelle de Paris 2024. On va aménager notre siège en design actif, on va aménager la station de métro en design actif de notre siège, on va aménager la place devant notre siège. Mais ça, ce ne sont que des démonstrateurs à petite échelle, celle de notre organisation. Mais avec vous, on a une occasion de faire une démonstration vraiment puissante et large, parce que des démonstrateurs, on va pouvoir en démultiplier en 3 ans de façon assez conséquente, en nous associant évidemment avec des experts, et c'est tout le travail que nous allons vous présenter ce matin. Merci Marie. Il y a Stéphane Diagana qui doit être parmi nous. Vous connaissez Stéphane Diagana, champion du monde d'athlétisme, qui prône effectivement le sport santé. Un homme incroyable, Stéphane, tu es avec nous? Tu nous entends? Oui, je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis avec vous. Ça coupe un petit peu, mais vas-y, on va essayer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le maire de Bourges, Monsieur le député du Cher. Bonjour également à M. le directeur général de la question de cœur de ville. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ce sujet en tant que membre de la Commission des athlètes de Paris 2024 et puis très investi sur les questions de sport santé, notamment sur l'accompagnement à l'intégration de l'activité physique dans les parcours de soins des patients. J'ai la chance d'initier de travailler en interdisciplinarité avec des médecins, avec des professionnels d'activité physique sur des projets, notamment un projet qui s'appelle As du cœur au profit de patients coronariens, et on voit l'impact, le bénéfice que ça peut avoir, l'impact médico-économique aussi. On a fait une étude qui va être étendue grâce à l'article 51 de la loi de sécurité sociale de 2018. Et le professeur François Carré connaît très bien aussi ce projet, qui est intervenu juste avant, puisqu'il va y participer dans son cadre étendu, pour étudier un impact médico-économique de la remise d'activité physique de patients coronariens sur 1200 personnes des 5 régions en France. Voilà. C'est un sujet qui me passionne dans sa dimension thérapeutique, et bien sûr, plus le sujet du jour encore, la dimension préventive. Je crois que le professeur Carré a très bien fait tout ça. On a un déficit d'activité physique, et on dit que le temps d'activité physique a été divisé par 8 en 200 ans. Le même problème, c'est qu'on est à peu près, nous sommes à peu près les mêmes mammifères qu'il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, on bougeait 16 km par jour. On est très loin aujourd'hui. Et la science nous explique pourquoi on a ces problèmes aujourd'hui. Et à quel point on a été designé autour du mouvement. Stéphane, excuse-moi de te couper. On va essayer de te rappeler, ça coupe vraiment beaucoup. Donc on va essayer de te rappeler pour avoir une connexion un petit peu meilleure. Ce que je propose pendant ce temps-là, c'est que si on peut passer le témoignage de la maire de Beauvais, Caroline Cailleux, le temps qu'on rappelle Stéphane Diagana, qui est maire de Beauvais, présidente de l'agglomération, et il se trouve aussi qu'elle est présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et donc voilà le témoignage de la ville de Beauvais, et après on revient sur Stéphane Diagana. C'est une chance et une joie de savoir que la flamme olympique va jaillir de nouveau à Paris, que son éclat va briller à travers le pays et, nous l'espérons, embraser les passions. À Beauvais, nous nous préparons déjà à participer à cet événement planétaire. Labellisée Terre de Jeux 2024, notre ville dispose d'installations sportives performantes. 4 d'entre elles ont d'ailleurs été retenues pour être centres de préparation aux Jeux. Notamment, la salle d'armes Jean-Baptiste Viard, que nous avons entièrement rénovée il y a tout juste 10 ans pour accompagner les ambitions élevées de notre club d'escrime. Bien nous en a pris, puisque l'Académie Beauvaisienne d'escrime est aujourd'hui devenue une référence nationale et même internationale. L'équipe senior féminine est championne d'Europe en titre. Nos escrimeurs remportent régulièrement de grandes victoires en individuel et nous soutenons tout particulièrement la progression de nos jeunes champions qui sont de réels espoirs olympiques pour Paris 2024. Dans la perspective de ces Jeux olympiques et paralympiques, nous avons décidé d'engager de nouveaux travaux d'amélioration et de modernisation sur la salle d'armes pour maintenir cette dynamique d'excellence
et pour pouvoir accueillir des délégations internationales dans des conditions de performance optimales, que ce soit pour des stages de préparation au JOP ou en tant que base arrière pendant les Jeux. L'Académie beauvaisienne d'escrime a démontré combien les performances de haut niveau peuvent rejaillir sur un club et sur une ville. Les couleurs de Beauvais rayonnent aujourd'hui sur les plus grandes pistes de la planète escrime et la discipline s'est profondément ancrée dans notre ville. Elle est pratiquée dans les écoles, en loisirs, lors des manifestations municipales. Elle est aussi intégrée dans des parcours thérapeutiques en partenariat avec notre centre hospitalier. Notre engagement dans Paris 2024 répond à cette même logique, à cette même ambition de continuer à stimuler l'activité physique et les pratiques sportives dans notre ville et de faciliter leur accès au plus grand nombre. Le sport, c'est un formidable vecteur d'éducation, d'inclusion, de cohésion et de rassemblement. Quel plaisir, toujours, de voir la liesse s'emparer de notre cœur de ville lors des événements sportifs après les belles victoires. Nous voulons que Beauvais vive au rythme des performances de nos champions olympiques, au rythme de toutes les animations sportives qui seront développées avec nos clubs pendant ces JOP pour fédérer le plus grand nombre de nos concitoyens et dynamiser notre centre-ville. Nous voulons que le sport fasse vibrer le cœur de Beauvais et des Beauvaisiens et qu'il continue de progresser plus vite, plus haut et plus fort. Merci beaucoup à Madame la maire de Beauvais et présidente de l'ANCT, comme je l'indiquais. Est-ce qu'on a pu retrouver Stéphane Diagana pour qu'il puisse terminer son intervention avant que nous abordions les questions questions avec des architectes et des designers sur c'est quoi le design actif et comment faire. Est-ce qu'on a retrouvé Stéphane Diagana ou pas? Alors, de mon côté, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. J'entends. Non, ça n'a pas l'air mieux. Non, ça ne fonctionne pas de votre côté. Non. C'est toujours pareil, Stéphane, désolé. Non, malheureusement. Bon, écoutez, on va essayer de trouver une solution. Ce que je vous propose à Marie... Vous ne m'entendez pas, je peux pas faire plus. Non, écoutez, c'est vraiment, ça me semble... Écoutez, on va, et quitte à ce qu'on puisse le faire intervenir tout à l'heure, vraiment désolé pour Stéphane Diagana, qui est très engagé en tant que à la commission des athlètes sur ce sujet sport-santé. Je propose que nous passions maintenant à la dernière partie du design actif, avant qu'à midi et demi, Madame la ministre ne conclue ce forum. Un concept d'aménagement urbain au service du sport-santé. Donc, je vais demander tout de suite... à Francis Rambert, directeur de la création architecturale, d'aller au micro, de faire le contact via Cognac-Jay, comme on dit, avec Julien De Smet, qui est architecte de la ville de Copenhague. Francis, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Pour vous présenter très très rapidement Julien De Smet. Julien De Smet est un architecte européen, il est franco-belge, il est établi à Bruxelles et à Copenhague, il construit aussi en France. Son approche est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il mêle l'architecture et le design de front, c'est une pensée globale. C'est aussi un travail de recherche sur des nouvelles typologies en permanence, c'est-à-dire un mélange de fonctions, ce qui amène à des hybridations de programmes. Donc c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur l'architecture et l'espace public, comme en témoigne tout son travail à Copenhague, justement, et il a été l'un des architectes qui a été engagé dans la mutation du port, parce que le port s'est déplacé de la ville et à libérer des espaces publics, et bien là, ils ont créé justement des lieux pour le sport, pour la promenade, et on pourrait dire la promenade active, vous allez voir, puisqu'ils travaillent beaucoup sur la question des vagues. Et puis, même dans un projet de culturel, il avait été l'un des participants pour le concours de l'opéra de Stavanger. Les façades étaient entièrement des marches sur lesquelles, justement, il imaginait que les gens puissent bouger. On va lui passer tout de suite la parole. Merci, Francis. Est-ce que Julien De Smet est en ligne? En attendant qu'il arrive, je voudrais dire, et notamment à Tony Estanguet, qu'il est l'architecte du saut olympique à Oslo, l'une des épreuves discipline olympique, s'il en est. Et il a là aussi révolutionné par une architecture expérimentale. Alors là, on
c'est un design plus qu'actif, hein, puisque mais on est peut-être moins dans l'espace public, mais voilà un équipement sportif qui participe justement à des nouvelles conceptions ou architecture. L'architecture est au service du sport. Alors, Julien. Ah, décidément. Non, on a. Ou alors, ben, Francis, alors on doit meubler. Les webinaires, c'est sympa, mais pas toujours. On va, ce que je propose, c'est qu'en attendant qu'on établisse la liaison, c'est que Hélène Peskin, la directrice du PUCA, nous présente le deuxième expert, Paul Davis, qui est du cabinet AIA Life Designers, et que tu puisses conduire l'entretien. Merci, bonjour à toutes et tous, Madame la Ministre. Messieurs les élus, effectivement, je suis là pour introduire moi, donc notre second expert qui s'appelle Simon Davis et qui, lui, est vice-président de la fondation AIA pour architectes et ingénieurs associés, une fondation d'entreprise qui regroupe 300 architectes et 300 ingénieurs autour de la relation entre la ville et la santé, un urbanisme favorable à la santé. Et d'ailleurs, Simon Davis, qui va vous présenter un petit peu ses travaux, a été le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Bien vivre la ville ». Et dont un des objets est justement d'essayer de définir comment, dans l'espace public, dans l'espace urbain, dans la conception des bâtiments, et pas uniquement des bâtiments liés à la santé, hein, puisqu'il a également été un des ingénieurs travaux d'un certain nombre d'opérations liées à l'hôpital, notamment des grands projets hospitaliers, en particulier à Tours. Mais c'est donc pas seulement dans l'architecture et dans l'urbanisme de ces bâtiments de santé, mais bien dans tout l'espace public que ces questions sont soulevées, et c'est une des spécialités de Simon Davis, qui va donc nous présenter un petit peu ses travaux. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous. Effectivement, je ne sais pas si on peut mettre la présentation. J'avais prévu de vous parler des différentes recherches que l'on mène à la Fondation AIA depuis 2013 sur les questions de ville et santé. Donc on a été un petit peu rattrapé par la crise sanitaire, bien sûr, et amené à s'exprimer sur le sujet. Une petite définition du design actif et plus globalement de la santé positive que je donnerai, je la dois au professeur Wang que l'on voit là sur cette photo et qui disait la santé finalement c'est un peu comme cet éventail qu'il avait dans la main. En fait, il faut trouver chacun le bon rythme, c'est-à-dire que si j'agite l'éventail un peu trop rapidement, je vais avoir trop chaud et si je ne l'agite pas assez rapidement, je vais avoir trop chaud également. Donc voilà, trouver ce juste optimum, et ce qui montre que la santé n'est pas un état que l'on vise assez éloigné, mais bien un processus continuel d'adaptation et dans lequel qu'on doit adapter à chaque individu. Donc je vais me servir de cet exemple pour amener quelques nuances sur la question du design actif. On a besoin de ces équilibres et de ces nuances pour traiter de ces questions. Tout d'abord, pour dire qu'effectivement, l'idée réflexe qui arrive quand on parle de design actif, c'est la question de l'agrès sportif, qui est de plus en plus présent sur l'espace public, et on ne peut que s'en féliciter. Mais ça ne s'arrête bien sûr pas là. Déjà, on peut s'interroger parfois sur la pérennité des dispositifs, et c'est très important de penser à la robustesse des différentes installations qui sont mises. D'autre part, on peut, comme sur cette photo, se servir des infrastructures existantes, des éléments existants, pour faire travailler les différentes personnes sur la question de l'activité physique. Et l'un des éléments primordiaux dans cette approche, c'est la question des déplacements actifs aussi du quotidien. Malheureusement, encore plus de 50% des déplacements motorisés, ils sont liés à des distances qui sont de moins de 5 km, donc qui pourraient être faites en partie à pied ou surtout en vélo. Et donc traiter la question du design actif en ville, c'est s'intéresser à ces parcours actifs et je suis d'accord avec le maire de Vichy en priorité sur la question des piétons. Et c'est s'interroger sur le fait que finalement, le piéton en ville, il n'est pas à sa place. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il traverse la rue, c'est-à-dire qu'il traverse la voie de l'automobile. Mais c'est rarement l'automobile qui traverse la voie du piéton, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est inverser cette tendance cognitive qui fait que le piéton ne se sentira pas à sa place dans l'espace public. Aussi également, sur ces questions un peu de nuance, c'est se dire qu'il faut diriger ces dispositifs vers les populations qui en ont le plus besoin, et notamment les jeunes enfants et les personnes âgées. Je le dis souvent, mais l'un des dispositifs les plus efficaces en termes de design actif, pour on va dire les personnes plutôt vulnérables, c'est le banc.
C'est-à-dire que paradoxalement, c'est les endroits où on va s'arrêter quelques temps, qui sont très efficaces pour inciter à l'activité physique. On recommande ainsi des bancs au moins tous les 150 mètres pour que les personnes les plus vulnérables puissent s'asseoir de temps en temps et ainsi faire leur trajet du quotidien de façon piétonne. Et donc, c'est plus seulement penser une collection de dispositifs, mais vraiment organiser, là, comme sur cette image, les éléments en trame et venir superposer ces trames aussi aux ambiances des lieux. Il n'y a pas d'intérêt, par exemple, de venir mettre un dispositif de design actif là où il y a un fort taux de polluants. Voilà quelques nuances. On peut travailler aussi cette question du design actif par l'ambiance générale des lieux. La mairie de Copenhague, je crois, avait traité cette question par le biais de questionnaires distribués aux habitants. Et le premier vecteur qui incite à la marche, c'est vraiment la présence d'espaces végétalisés. Et après, on peut aller très finement dans le traitement de ces espaces végétalisés, notamment en implantant ce qu'on peut appeler une signalétique sensorielle, par exemple par un échelonnage des floraisons des plantes, et qui permet ainsi de créer des repères pour les populations, par exemple, malvoyantes ou des populations particulièrement sensibles pour stimuler la mémoire et faire en sorte aussi que le chemin il se renouvelle constamment au cours de l'année, ce qui incite encore plus à la marche. On va parler non plus que les personnes âgées, on peut parler aussi des jeunes enfants. Et là encore, penser la question du mouvement en fait, de l'enfant, c'est aussi s'adapter à son échelle, penser le dispositif de design actif à hauteur d'enfant et le rendre le plus stimulant, le plus stimulation de l'imaginaire possible. Et ce que les études montrent, c'est que finalement, une aire de jeu pour enfants, effectivement, c'est très bien. Mais les enfants, ils sont beaucoup plus stimulés dans leur créativité, mais aussi dans leur activité physique, par exemple des éléments informels, là, comme on voit sur cette photo à droite, qui leur permettent de jouer, de s'approprier comme ça des éléments naturels sur le quotidien. Ensuite, quand on va vers le lieu, le logement, le lieu d'habitation, il faut veiller aussi à la continuité de ces parcours. Et par exemple, le fait de disposer à proximité du logement d'une aire où on peut faire de la trottinette sans être inquiété par les voitures, c'est assez important, notamment pour les mini-modes doux qui se développent de plus en plus, trottinette ou autre. On peut être maximaliste dans cette approche en allant jusqu'à pouvoir même déposer son vélo, son mode de déplacement actif, jusqu'au palier de son logement. Et donc là, c'est le cas ici dans cet immeuble à Grenoble où on peut faire cette chose. Mais je voudrais insister peut-être sur la question des circulations actives verticales, autrement dit les escaliers, qui sont la plupart du temps dans nos bâtiments relégués en cœur du bâtiment, sans lumière naturelle. Et en fait, on a souvent l'ascenseur. Quand on rentre dans un bâtiment, c'est la première chose qu'on voit. Ne serait-ce qu'inverser les choses, mettre l'ascenseur un petit peu plus loin et que la première chose que l'on ait, ce soit l'escalier, c'est non seulement un principe de design actif, mais aussi quelque chose qui permet de renforcer la cohésion sociale et les échanges quotidiens avec ses voisins. Voilà. Donc bien sûr, en ce moment, la Fondation AIA, on étudie beaucoup les répercussions de la crise sanitaire sur le design actif, mais aussi sur d'autres champs urbains. Aujourd'hui, le corps, il est fortement touché par la crise, que ce soit le corps masqué, comme aujourd'hui, que ce soit le corps bien sûr malade, le corps distancié, le corps enfermé pendant le confinement, le corps vulnérable ou le corps menacé par l'autre, quoi, quelque part. Et donc, je pense que cette échelle de l'individu, de l'activité physique, elle va reprendre encore plus d'importance dans les villes à l'issue de cette crise et que ça va devenir, bien sûr, ça va redevenir un étalon urbain à part entière dans les villes que l'on va concevoir demain. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paul Davis. Je crois qu'on n'a toujours pas la liaison avec Bruxelles ou Copenhague. Donc, on va profiter de la présence, et je le remercie, d'Isabelle Vériac, qui est donc directrice internationale innovation à la Cité du design de Saint-Étienne. Je vous invite à rejoindre la place qui est disponible. Si vous pouvez nous faire part, bien sûr, des initiatives et des expériences qui ont été déjà menées par la Cité du design, notamment à Saint-Étienne, les travaux pratiques que vous avez engagés. Quels enseignements peut-on en tirer? On voit bien déjà dans l'intervention précédente qu'il y avait aussi des appels d'attention sur différentes démarches. Est-ce que le design actif est aussi favorable à rendre plus accessibles les équipements pour tout le monde, naturellement? Et enfin, mais on n'aura pas le temps de développer, ce sera un élément de conclusion, mais à l'issue de ce forum, comment, et y compris de la part de la Cité, nous pourrions mieux aider les collectivités à s'engager dans cette démarche? Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Madame la ministre, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie de vous partager avec vous l'expérience de Saint-Étienne ce matin. Saint-Étienne, ville UNESCO créative de design depuis 2010. On a perdu
la présentation. Ville de design depuis 2010 et encore à ce jour la seule ville française parmi 40 villes UNESCO créatives de design. Cela veut dire être ville UNESCO, que le design est l'ADN vraiment de Saint-Étienne. Saint-Étienne a basé toute sa transformation sur le design. Le design au cœur des politiques publiques, avec la première design manager qui fait partie de la cité du design et œuvre pour que le design soit présent dans tous les projets de la ville et de la métropole, mais aussi que les appels d'offres soient adaptés pour que les designers puissent y répondre. ADN avec des entreprises, des industriels créatifs, inventeurs depuis plusieurs années qui ont marqué l'histoire. ADN avec des designers, des créatifs qui sont nombreux sur le territoire et le seul cluster de professionnels qui est localisé sur le quartier créatif. Le quartier créatif que vous voyez ici, qui est l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc un lieu symbolique pour nous et qui fait ce lien avec l'industrie, l'invention, l'innovation. La cité du design est basée sur ce quartier et a été un des premiers habitants du quartier. Avec aujourd'hui, donc depuis 2010, la Cité du Design est un EPCC, établissement public de coopération culturelle, qui associe trois activités. L'école, qui est venue elle aussi sur ce quartier, l'école d'art et design de Saint-Étienne, créée en 1803 à la demande des industriels pour avoir du dessin, mais aussi de la diffusion des expositions avec la Biennale internationale du design créée en 1998. Et aussi, depuis 2005, des activités pour accompagner les professionnels, entreprises et les collectivités. Donc, pour accompagner ces professionnels, la Cité du Design participe ou porte des projets européens, entre autres. Ici, ce programme que j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer, Ideol, associait des designers et des living labs, des lieux de vie, des lieux expérimentaux. Donc, une des thématiques était bien entendu santé et sport, sport-santé. Et nous avions, sur plusieurs éditions, transformé le quartier en lieu d'activité physique, notamment avec l'action Ville en partage, afin d'associer toutes les personnes, y compris les personnes pour faire des Jeux olympiques et para-olympiques. Donc, c'était à la fois des jeux un peu pointus, tels que du bike polo ou du golf pour des sportifs, mais aussi, comme il a été dit tout à l'heure, simplement transformer les marches d'escalier de l'école en step ou le banc du parc public juste à côté pour faire un petit peu d'activité. Donc, c'était vraiment tous champions. Et la force, je dirais, du design est ces méthodes participatives d'emmener les usagers à co-créer. Donc, en amont de ces activités et en parallèle aussi, c'est des ateliers d'idéation sur le quartier, mais c'est aussi de la fabrication, notamment en impliquant le Fab Lab du quartier, fabrication d'un skateboard, d'un vélo un peu original, d'un mur d'escalade qui sera ensuite expérimenté sur le quartier. Et donc, tous champions pour les jeunes, pour les enfants et pour les seniors, comme vous le voyez sur la photo. Et c'est vraiment aussi mettre l'accent sur ce qu'on appelle le design pour tous, pour rendre accessible à tous les publics, toutes les cultures, toutes les différences physiques, mentales, économiques aussi. Et ici, vous voyez une exposition qui s'appelait « Sixième sens » de la Biennale internationale sur cette thématique. Et cela peut aller des équipements, des orthèses pour faire du sport pour tous ou des adaptations de sensoriel pour pallier des déficiences visuelles, par exemple, avec de l'activité sensorielle. Donc, c'est gagnant pour tous, y compris pour les entreprises qui ont bien compris que dans cette démarche, en développant des produits, des services avec les usagers, ils correspondaient à leurs envies, à leurs besoins. Et donc, ici, vous avez une expérimentation avec Visiopark où nous avions, sur deux places publiques de Saint-Étienne, fait des expérimentations avec un laboratoire, avec des designers pour tester et avoir des retours d'expérience et améliorer, faire évoluer les produits et développer des services aussi autour de ces produits, parce que c'est aussi beaucoup, de plus en plus, des services autour des produits. Et donc,
C'est aussi bénéfique et un moyen de transformation des villes. C'est ce que l'on porte aujourd'hui avec Terre de Jeux. Donc la ville de Saint-Étienne a mis depuis 2015 un programme pilote en place qui s'appelle Banque d'essai. Et en amont des biennales, les designers et les entreprises co-créent des prototypes d'aménagement public qui sont testés par le public pendant toute la biennale. Et depuis 2015, petit à petit, c'est la carte que vous voyez, Saint-Étienne achète et ses bons décès restent et transforment petit à petit notre territoire pour qu'il soit à la fois inclusif, beau et respectueux de l'environnement. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous la faire découvrir, ma ville, soit pour l'inauguration de la prochaine biennale qui a été reportée en 2022 ou avant, dans le cadre du programme. Si vous voulez qu'on vous suggère un thème de la biennale, on a quelques idées. Oui, le thème de la biennale est sur les bifurcations. Bon, donc, voilà. Bifurcations avec le sport, comment intégrer le sport pour le bien-être de tous dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup, Madame la Directrice. On a rétabli la liaison avec Julien De Smet. Donc, si Francis peut se rapprocher du micro. Voilà. Alors. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vous entends très bien, oui. Voilà. Et vous? Parfait. Je laisse Francis Rambert vous dialoguer avec vous. Oui, bonjour Julien, j'ai fait une présentation rapide de l'approche de ton travail et de l'agence, mais là je vois que tu es en direct du dernier espace public que tu as transformé sur dans le cadre de la reconquête du port de Copenhague. Je te laisse parler. Merci Francis. Oui, donc voilà, j'ai pensé que ce serait marrant en fait plutôt que de faire une présentation un peu théorique sur le projet espace public qu'on appelle la vague ici à Copenhague, de vous le présenter donc en live. Donc je suis arrivé ici, on a un peu de la chance d'avoir une belle journée. Donc c'est un projet qui est une extension des pontons du centre de Copenhague. Vous avez le port de Copenhague ici, donc des grands bâtiments qui ont pendant longtemps fait obstruction du soleil par rapport à cette zone. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est de proposer un espace, en fait, étendu sur l'eau qui permette de bénéficier du soleil, d'avoir une programmation diverse. Donc ici, on a fait une sculpture pour l'exercice physique. Bon, aujourd'hui, c'est un lundi, donc il y a moins de gens. Le week-end, c'est toujours bondé. Différents espaces. Alors, ce qui est intéressant avec notre projet, c'est qu'on a une espèce d'approche tridimensionnelle de l'espace public. En fait, on crée des niveaux en étant l'espace public tridimensionnel. Et on y insère des éléments. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Donc ici, vous avez un club de kayak qui s'est inséré dans le projet. Donc, c'est un espèce de mix entre une approche publique, de l'espace public et privé. Francis, tu ris? Oui, non, j'ai dit parce que Tony Estanguet découvre qu'il y a un espace pour kayakistes en plein cœur de Copenhague. C'est ça qui est assez fantastique. Alors, je vais vous montrer l'espace en question, enfin, là où il stoppe les kayaks. Donc, vous voyez ça ici. Donc, dans l'espace, hein. Je remonte. J'essaye d'être rapide parce que je sais qu'on est très pris par le temps et que c'est un grand projet en termes de superficie. Alors maintenant, je vais me déplacer vers une autre zone du projet. En passant, je vais quand même vous montrer un petit espace intéressant. En tout cas, c'est circulation pédestre. Pour l'instant, on est sûr. Ah oui. Donc ici, on a différentes. Il y a un café qui s'est introduit dans le projet et donc qui fait différents événements. Il y a une demi-heure, ils étaient en train de préparer un événement ici. Qu'ils ont
En fait, ils dispatchent leurs activités à d'autres endroits dans la ville. Ben voilà, il y a des gens qui se préparent à sortir en mer. Hey there. Oh. Je vais vous montrer un peu la zone de kayak. Et donc, on part vers l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre côté, en fait, donc à la base, le projet n'autorisait pas à se baigner. C'est-à-dire qu'on a fait un projet comme assez souvent un peu en mode disruption, où on a tout planifié pour pouvoir permettre, en fait, pour donner envie aux gens de faire quelque chose qui n'était pas légal, qui est en fait de se baigner dans le port de Copenhague. Parce que de l'autre côté, on a la piscine publique, qu'on a réalisée aussi en 2004, donc 10 ans avant, qui, elle, est un peu l'endroit où on est censé se baigner. Mais en ayant fait le projet ici, on a incité les gens illégalement se baigner dans le port de Copenhague. Et après quelques années, bah, finalement, la ville de Copenhague a laissé tomber et a décidé de faire une zone légal pour se baigner de ce côté-ci aussi du port. Et donc, c'était toute l'idée de lier un peu les deux côtés du port de Copenhague. Vous avez un nudiste là, qui est en train de se rhabiller avec cette partie-ci du port. Alors aussi, de manière intéressante, le projet a invité différentes activités à se passer. Donc, y a, vous voyez qu'on a... insérer des zones d'eau deviennent un peu des zones libres d'utilisation. Il y en a une là-bas qui est la zone où on peut faire du water polo. Ici, les gens viennent, font du skateboard et se jettent dans l'eau. Il y a plein de choses qui se passent. Là-haut, vous avez un toboggan pour les kayaks. Qui est utilisé donc, pour sortir en mer avec les kayaks. Et en dessous de la vague, de ce côté-ci, il y a une coopération qui s'est établie pour faire de la culture d'algues marines utilisées pour la consommation. Donc c'est ici, en dessous. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vais revenir. Voilà. Bonjour. Francis. Si vous avez des questions, je me ferai plaisir d'y répondre. Alors, juste un mot, Julien, on a très très peu de temps. Copenhague est aussi une des villes pionnières en matière de vélo dans la ville, avec le Snake, avec toutes ces choses. On voit bien que Absolument. Précisément cette opération, elle est à très très grande échelle. Tu peux dire juste un mot comment toutes ces commandes justement intègrent les paysagistes, les architectes, les designers, tout le monde. C'est un vrai mouvement à Copenhague. Oui, je pense que la culture de l'espace public, en fait, un peu depuis le bain qu'on avait réalisé, qui est juste en face de moi ici, depuis le bain de 2004, il y a une espèce d'effervescence sur la question de l'espace public à Copenhague. Et aujourd'hui, en effet, les paysagistes, la municipalité de Copenhague, tout le monde travaille ensemble pour essayer d'activer donc la ville, simplement. Si on continue à montrer les espaces. Voilà, ils retirent des algues, je pense. Très bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur De Smet. C'était vraiment très intéressant. On a eu l'impression de faire un peu d'activité physique avec vous, d'ailleurs, en vous suivant. Et en tout cas, c'était super. Merci infiniment. Et puis, j'espère au plaisir de pouvoir profiter de votre expérience et des travaux tout à fait remarquables que vous avez menés. Merci, Francis. Merci, Julien. Pour ton intervention. Monsieur le maire de Bourges, est-ce que tout ceci vous inspire pour votre propre ville ? Oui, je crois que les différentes interventions sont très inspirantes pour la ville de Bourges, dans la mesure où je retrouve aussi la philosophie que nous souhaitons mettre en place à Bourges. Vous savez, il y a 5 jours,
j'ai, avec ma majorité, piétonnisé la rue centrale de Bourges. Et il y a quelques semaines, nous avons lancé le fait de transformer une place qui était un parking, la place Cujas, en place de vie, en place de culture et en place de sport. Donc ça rejoint totalement la démarche de mon collègue que je salue, maire de Vichy, dans cette volonté, dans cette dynamique d'être, ben, alors pas de supprimer la voiture, bien entendu, mais peut-être de privilégier. Et notamment par rapport au vélo, ce qui a été dit est très intéressant parce que nous avons beaucoup de projets sur les vélos. Je salue ici la présence de ma collègue et amie présidente de l'agglomération Irène Félix qui porte cette dynamique liée au vélo au niveau de l'agglomération. Mais nous, la place du piéton, vous voyez, on veut faire une ville bienveillante. Et pour faire une ville bienveillante, il faut réinventer totalement la manière de se déplacer dans un centre-ville et l'action cœur de ville nous aide beaucoup par rapport à cela. Mais la démarche de design actif, elle m'a aussi permis, je ne sais pas si on a le visuel très rapidement dans, qui va arriver, on ne va pas le faire dans sa totalité, mais le fait que vous nous proposiez d'être quelque part projet pilote dans cette démarche du design actif depuis quelques semaines nous a permis de mettre quelque part nos idées en ordre. Et je vous annonce aujourd'hui que nous allons faire ce qu'on va appeler la promenade d'Oron, qui va partir d'ici, juste là où nous sommes, de ce quartier de l'Oron. Nous allons installer une guinguette et sur 4 km, nous allons faire une déambulation douce qui va s'appeler la promenade d'Oron, où il y aura du design actif, où il y aura des jeux, où il y aura des équipements. Tout ça a été conceptualisé et structuré depuis plusieurs semaines que nous travaillons sur ce projet. Donc, je ne sais pas si juste peut-être on peut avoir les moins slides. Au moins une slide. Mais sinon, si de toute façon, on la joindra à la vidéo qui sera rediffusée après le forum. On la joindra avec plaisir. Donc, mais juste pour vous dire qu'on va beaucoup insister, notamment on va en collaboration avec la Fédération française de basket. On va faire des stades, enfin des équipements 3x3 pour le basket. On va faire beaucoup de parcs de fitness d'agrès. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le confinement, c'était une demande très très forte que les berruyères et les berruyers puissent quelque part faire du sport en extérieur et notamment avec les futures phases de déconfinement qu'on va avoir de manière très importante là dans les jours qui viennent, ça va être très très important. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment partir de la philosophie que vous avez exprimée à la fois au niveau d'Action Cœur de Ville mais aussi au niveau du fait qu'il fallait bouger et ça veut dire repenser véritablement repenser tout notre urbanisme dans des villes comme les nôtres. Merci, monsieur le maire. Et avant de donner la parole à madame la ministre, juste deux points d'attention. Le premier, c'est que nous avons eu beaucoup d'interventions, notamment sur trois thèmes, et on va essayer d'y répondre conjointement à l'issue de ce forum, à la fois sur le sport à l'école, sur bien sûr comment concilier télétravail et non-sédentarité, hein, qui est bien sûr un des grands enjeux. Et on sait que les télétravails et d'autres formes de nouvelles organisations du travail vont perdurer après cette crise. Et enfin, des questions, mais ça, on va peut-être le traiter, et ça fera le lien avec le deuxième point que je voulais évoquer. Comment concilier le design actif avec des centres-villes anciens, très patrimoniaux, avec des règles de protection bâtimentaire et d'espace qui sont bien sûr importants. Madame la ministre, on a compris que nous devions collectivement nous bouger, y compris au titre du design actif. Et donc, je souhaitais vous informer officiellement que le COJO Action Cœur de Ville ANCT, nous allons nous atteler dès la fin de ce forum à élaborer un guide du design actif que nous espérons sortir avant la fin de l'année et probablement en novembre. J'aurai l'honneur de co-animer ce groupe de travail avec Marie Barsac et Romain Lachance au titre du COJO. Je souhaitais remercier les participants d'ores et déjà qui ont accepté de se joindre à nous. Monsieur Jean-François Toussaint, professeur de médecine et membre du collectif pour la France en forme, qui travaille aussi à l'INSEP. Claire Peuvergne, qui est la directrice de l'Institut régional du développement du sport. Patricia Pelou, qui est la directrice adjointe de l'Agence d'urbanisme parisienne. Joanne Pellicot aussi pour le COJO. Et de mon côté, avec l'assistance de Marguerite Demestre, qui est chargée de mission à la direction de programme sur valorisation et innovation, Francis Rambert, donc le directeur de la création architecturale à la Cité, Hélène Pesquine, la directrice du PUCA, avec Florentin Cornet, et puis Isabelle Viriac, avec la Cité du design de Saint-Étienne, avec laquelle nous espérons construire un partenariat pour non seulement
élaborer bien sûr ce guide, mais peut-être aussi mieux accompagner les collectivités qui souhaiteraient s'engager dans cette affaire avec aussi des financements au titre d'Action Cœur de Ville et l'Agence nationale de cohésion des territoires au titre de l'ingénierie que nous pourrions dégager. Voilà, en tout cas, nous allons nous bouger dans ce domaine en attendant après, bien sûr, de respecter les prescriptions médicales qui nous ont été indiquées. Madame la ministre. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une conclusion en vous disant d'abord que je suis une ministre heureuse ce matin parce que je crois que ce partenariat que nous avons signé, cher Tony Estanguet, entre le COJO et le ministère de la Cohésion des Territoires, et pour cette belle idée Terre de Jeux dont je vous remercie beaucoup, c'est-à-dire de faire participer toute la France, toutes les villes de France à cet événement formidable de Paris 2024, des Jeux Olympiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce matin, dans ce forum des solutions, nous avons vu des choses concrètes. Et je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser ce forum, à commencer par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Yves Le Breton, je vous salue en tant que directeur général, et bien sûr Roland, qui est l'animateur de ce programme Action Cœur de Ville et qui promeut au fond la ville moyenne, et avec la cité de l'architecture, avec bien sûr la cité du design Saint-Étienne, avec beaucoup de participants, notamment le plan urbanisme construction architecture, nous avons vraiment là des politiques concrètes sur les territoires, et le maire de Bourges, que je remercie tout particulièrement de nous accueillir ce matin, apporte lui aussi son témoignage avec les projets de la promenade d'Oron, donc dans sa ville de Bourges. Je dirais, nous sommes dans la capitale du Berry, je crois pouvoir le dire. C'est une ville à la fois chargée d'histoire, c'est la ville de Jacques Coeur, mais c'est une ville aussi qui a toujours eu des activités très importantes sur le plan de la culture. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il ne faut pas opposer la culture et le sport. Eh bien, je crois que nous sommes dans la ville, justement, qui prouve, qui démontre que culture et sport peuvent aller de pair, et Bourges en est un très beau symbole. Et donc, bravo pour tout ce que vous imaginez, tout ce que vous allez faire. Et bien sûr, ce forum des solutions nous montre les réalités des politiques publiques que nous mettons sur les territoires. Action Cœur de Ville est une politique publique qui concerne 222 villes en France, des villes moyennes. Et j'ai voulu prolonger cette politique des villes moyennes vers d'autres villes. C'est le programme Petites Villes de Demain, qui en fait concerne des villes de moins de 20 000 habitants et qui joue aussi un rôle très important sur les territoires. En général, vous savez, ce sont ce qu'on appelle les anciens chefs-lieux de canton et qui en fait rayonnent sur tout un bassin de vie qui est absolument essentiel pour nos concitoyens. Et bien sûr, le Cher n'échappe pas à cette politique de petite ville de demain. Je ne me souviens plus le nombre, monsieur le préfet. 17 petites villes de demain qui concourent au développement et au rayonnement de la vie quotidienne dans le département du Cher. Alors, bien sûr, ce partenariat, cher Tony, il est absolument essentiel et il va nous permettre, dans toute la France, d'avoir des exemples de développement de cette politique en direction du design actif, et qui permet aussi, on a vu aux divers témoignages que nous avons entendus, aussi aux villes de se réorienter, de se développer à nouveau avec ce programme Terre de Jeux. Je remercie beaucoup le maire de Vichy qui a vraiment montré comment cette ville que je connais assez bien
est en train de en s'appuyant sur son potentiel et ses richesses, son patrimoine local, est en train de donner une nouvelle dimension à la ville de Vichy. Et vraiment, votre présentation était extrêmement intéressante. Nous avons vu aussi l'exemple de Calais et Natacha Bouchard qui était tout à l'heure en visio, le vent dans les cheveux, parce qu'à Calais, il y a du vent, mais qui veut redonner à Calais une nouvelle image en réinstaurant et en développant la plage de Calais. Et je trouve que c'est une initiative très, très intéressante qui permet aussi, dans cette période un peu particulière, où nous sortons à peine de la crise sanitaire, mais nous espérons tous en voir le bout extrêmement rapidement, on sent bien que les Français ont besoin d'espace, ont besoin d'aventures extérieures. Et je crois que tout ce programme de design actif va être très, très important dans ces programmes municipaux qui vont se développer à travers toute la France. Je ne peux pas citer toutes les villes, bien sûr, mais je voudrais remercier aussi le professeur Carré que nous avons entendu tout à l'heure. Nous regrettons que la liaison ait été insuffisante avec Stéphane Diagana, mais je voulais lui dire que nous comprenons tout à fait et que ça arrive même aux ministres, parfois, d'avoir des webinaires qui ne fonctionnent pas. Vraiment, vraiment merci à tous pour toute cette belle politique qui se développe sur l'ensemble des territoires. Je voudrais bien sûr dire, pour terminer, que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 seront des Jeux durables et inclusifs. Ils seront donc les Jeux de tous les Français et de toute la France. Je crois que c'est quelque chose de très important et que nos territoires, les petites villes comme les moyennes villes et même les grandes villes, bien évidemment, puisque Paris est au cœur des Jeux olympiques de 2024, je voudrais dire que les collectivités, et je salue les représentants de la région et du département et la présidente de l'intercommunalité que je n'avais pas aperçue encore, parce que naturellement, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, tous les niveaux de collectivités sont concernés et on a vu des chiffres qui se sont alignés tout à l'heure et on a vu que presque tous les départements français, presque toutes les régions étaient engagées dans ce programme. Alors je crois que merci Tony, je le dis, toi qui es le symbole du sport français, de nous aider à saisir l'aventure olympique sur tout le territoire français pour la réussite, bien sûr, des Jeux olympiques 2024, pour la réussite, bien sûr, de nos territoires et pour la réussite de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, le forum exceptionnel, le forum des solutions exceptionnelles sur faire bouger le centre-ville avec le design actif prend fin maintenant. Vous retrouverez, bien sûr, les échanges, les interventions et les documentations sur nos deux sites respectifs dans les meilleurs délais. Une petite présentation du design actif a également été élaborée. Elle est très bien faite. Et puis, bien sûr, maintenant, la feuille de route est claire. On va tous se bouger pour nos centres-villes. Bonne journée et à très bientôt.